en el estudio de Francia de hombres y mujeres del uso del tiempo. Dans cette deuxième intervention, je vais commencer par examiner d'un peu plus près les transformations des rôles masculins et féminins, sachant que ces enquêtes sur les emplois du temps sont avant tout et par excellence un moyen de mesurer l'importance du travail domestique. C'est la seule enquête qui permet réellement de savoir ce qui se passe à l'intérieur des foyers en matière de travail. Ce qui se passe sur les lieux de l'activité professionnelle peut être connu par d'autres méthodes et par d'autres enquêtes, mais il y a une spécificité donc de ces enquêtes sur les emplois du temps, et je voudrais donc dans une première partie compléter le tableau de l'analyse des changements dans les rôles masculins et féminins en France en analysant les rôles respectifs de la famille et de l'emploi. Et puis, dans un deuxième temps, je voudrais aborder une question qui est celle de la prospective du travail. Comment la signification du travail change-t-elle et comment les enquêtes sur les emplois du temps permettent de caractériser les processus en cours en matière d'organisation sociale des activités professionnelles. Alors, tout d'abord, donc, sur les rôles masculins et féminins, on dispose, dans le cas de la France, d'une série d'enquêtes sur les emplois du temps qui couvrent une très très longue période, puisque les premières enquêtes ont été faites en 1947 au sein de l'Institut national des études démographiques, l'INED. En 1958, il y a eu de nouveau une enquête faite par l'INED. Ensuite, en 1966-67, la France a participé au programme international qui avait été dirigé par Alexandre Zalay, qui est un statisticien hongrois, qui avait monté un programme comparatif international qui incluait des pays de l'Est et des pays de l'Ouest, et qui a abouti à un livre, The Use of Time, qui est, on peut dire, la Bible des études sur les emplois du temps, qui compare 12 pays dans le monde. Et ensuite, l'INSEE a fait les enquêtes dont j'ai parlé tout à l'heure en 1974, 86 et 1998, donc qui forment une série de trois enquêtes assez homogènes par la méthodologie. Donc là, on a des observations sur une période plus longue, et je voudrais montrer qu'au long de ces 50 ans, en France, il y a eu des inflexions. Les mouvements sont finalement différents, ce qui se passe dans les années 50, et ce qui s'est passé plus récemment. Alors, comment peut-on caractériser ces mouvements? Voilà quelques graphiques qui nous permettent de mesurer depuis 1947, donc jusqu'à 1998, sur 50 ans, l'évolution du travail total fourni par les femmes, ici, donc qui était de presque 11h30 par jour, et qui aujourd'hui est passé à environ 8h30. Donc il y a eu 3h chaque jour en moyenne de gagner, ce qui est quand même beaucoup, quoi. On peut dire, c'est une transformation assez importante. Mais il y a eu une amélioration très forte dans les années 50, et puis depuis, on a, depuis les années 66 jusqu'à maintenant, un mouvement assez régulier de diminution de la durée du travail total, avec des situations différentes selon le nombre d'enfants. Les femmes qui ont des enfants travaillent plus que celles qui n'en ont pas, mais dans l'ensemble, la discrimination diminue et l'écart entre celles qui ont des enfants et celles qui n'en ont pas évolue dans le sens d'une diminution. Alors on peut le voir plus clairement si on distingue travail professionnel et travail domestique. Ici, donc, les deux graphiques du bas nous permettent de voir comment évolue le travail professionnel et le travail domestique selon la charge, le nombre d'enfants. Cette courbe ici, c'est pour zéro enfant, les femmes qui n'ont pas d'enfants. Le champ, ce sont des femmes qui ont de moins de 47 ans et qui vivent en couple. On laisse de côté les femmes qui vivent seules, éventuellement avec des enfants.
le travail professionnel en heures par jour augmente sur la fin de la période. En fait, dans l'ensemble, il est d'à peu près 4h30 par jour pour les femmes qui n'ont pas d'enfants. Il augmente un peu plus nettement, il passe de 3h à 4h pour celles qui ont un enfant. Il augmente aussi, alors il est stable au début, mais il augmente ensuite assez sensiblement pour les femmes qui ont deux enfants, c'est-à-dire qu'elles faisaient de 1947 jusqu'à 1974 à peu près 2 heures de travail par jour, et aujourd'hui elles font plus que 3 heures par jour. Ça, c'est une moyenne qui mélange des femmes en emploi, des femmes qui sont au chômage, des femmes qui sont au foyer. C'est l'ensemble de la population féminine âgée de moins de 47 ans mais vivant en couple. Et puis celles qui ont 3 enfants ou plus fournissaient à peu près 1h30 de travail. Et aujourd'hui, c'est toujours à peu près le cas de travail professionnel par jour. Donc, il n'y a pas eu de changement très fort chez les femmes qui ont des charges de famille importantes. Les changements très importants, on les observe surtout du côté du travail domestique, où là, il y a eu véritablement, on peut dire, une révolution qui s'est produite au long, alors pas seulement au long du demi-siècle, au début de la période, dans les années de l'après-guerre, toutes les femmes font beaucoup de travail domestique, avec assez peu de discrimination selon le nombre d'enfants. En 1958, la discrimination est très grande selon le nombre d'enfants, c'est-à-dire que les femmes qui n'ont pas d'enfants fournissent 5 heures de travail domestique par jour en moyenne, et celles qui ont 3 enfants ou plus fournissent 10 heures de travail domestique en moyenne, c'est-à-dire 2 fois plus. Et ensuite, on a plutôt une tendance à la diminution de l'écart selon le nombre d'enfants, avec des effets de seuil qui évoluent, c'est-à-dire que la différence entre un enfant et deux enfants dans l'ensemble est relativement peu importante sur la période récente. L'écart avec la situation sans enfants reste assez fort tout au long de la période. Il est un peu plus de 1 heure. C'est-à-dire que quand on choisit d'avoir un enfant, en gros, ça veut dire qu'il va falloir fournir un peu plus d'1 heure de travail domestique par jour. Et ça vaut pour le passage de 0 à 1 enfant, pour le passage de 1 à 2 et pour le passage de 2 à 3. Chaque enfant de plus, c'est en moyenne 1 heure de travail domestique par jour pour les femmes. Alors, ces changements vont de pair avec des changements dans les taux d'activité des femmes. Et ici, on voit, c'est là qu'on peut voir que cette période de 50 ans peut être découpée en 2 sous-périodes. Ici, on a les taux d'activité, c'est pas la taux d'activité, c'est la proportion de femmes au foyer, donc c'est le complément du taux d'activité. En 1947, 40% des femmes étaient au foyer, parmi toujours les femmes qui ont moins de 47 ans, hein, qui vivent en couple et qui ont moins de 47 ans. Donc, 40% étaient au foyer. Aujourd'hui, c'est le cas d'environ 7%. Donc, on voit la situation de la femme au foyer, la femme dite inactive, même si elle a beaucoup d'activités pour s'occuper de ses enfants éventuellement. Cette proportion est devenue très marginale, très faible. Ici, on a la courbe pour les femmes ayant un enfant, avec environ près de la moitié était au foyer jusqu'en 1966, et ensuite il y a une baisse très rapide, très forte de 66 à 74, et puis cette baisse se poursuit, et aujourd'hui on a 15% des mères ayant un enfant qui sont au foyer, c'est-à-dire une sur 7 à peu près. Pour deux enfants, la situation a beaucoup changé, disons, là on avait un maximum de mères au foyer avec deux enfants en 1966-67, où on avait presque les 2/3 de ces femmes qui étaient au foyer, de ces mères de deux enfants. Et c'était plus important qu'en 1947, ça avait augmenté. Donc le progrès économique, disons la croissance de ce qu'on appelle parfois les 30 glorieuses, en France il y a eu de 1945 à 1975, 30 années de croissance avec un rythme annuel de plus 5%, du produit intérieur brut environ, et certains appellent ces années les 30 glorieuses. Personnellement, je trouve que l'expression n'est pas très justifiée, parce que c'était aussi les années de la guerre d'Algérie avec les tortures, etc. C'était pas forcément très glorieux, mais en tout cas dans le domaine de l'activité des femmes,
le début de cette période se caractérise par le fait que il y a des femmes qui étaient obligées de travailler professionnellement pour des raisons économiques, grâce à l'enrichissement collectif et l'enrichissement de leur ménage, vont s'occuper de leurs enfants à la maison, alors qu'auparavant elles étaient obligées d'avoir un emploi salarié. Et ça, c'est les années 1947 à 1966-67. Et on voit notamment pour les femmes qui ont trois enfants ou plus, dans l'après-guerre, en 1947, il y avait 70% qui étaient au foyer. En 1966, c'était passé à plus de 85%. Et donc, le cas des mères de trois enfants et plus, en 1966, le cas normal, c'était vraiment d'être au foyer. Et on a vu une réduction régulière ensuite, depuis 1966, de cette proportion des femmes au foyer avec des charges de famille importantes. C'est-à-dire qu'on est passé ici, en 1998, à un peu moins de 50% de ces mères de trois enfants ou plus qui sont au foyer. Mais les seuils ont changé. L'écart ici était très important en 1966 entre zéro enfant et un enfant. Il était un peu moins important entre un enfant et deux enfants, et il était très important pour le troisième enfant. L'écart, l'effet de seuil s'est accru pour le troisième enfant, c'est-à-dire que la grande différence, c'est entre les mères de trois enfants et puis celles qui ont moins de trois enfants. En revanche, les différences aujourd'hui sont assez faibles entre les femmes sans enfants, les femmes qui ont un enfant et les femmes qui ont deux enfants. Il existe des différences, mais les femmes qui ont deux enfants au foyer sont 23 ou 24% à être au foyer. Donc c'est moins d'un quart. Et donc c'est devenu une situation très minoritaire que d'être femme au foyer, y compris parmi les mères de deux enfants. Donc vous voyez une période du début de la croissance économique où les femmes qui occupaient des emplois d'ouvrières, etc., dans un premier temps sont contentes parce que le mari gagne davantage de pouvoir aller au foyer et s'occuper de leurs enfants. Et puis un deuxième temps où les femmes sont plus diplômées et où elles aspirent au travail professionnel, parce que ce travail leur donne de l'autonomie, leur donne un salaire significativement plus élevé que ce qui était le cas auparavant pour des femmes qui étaient moins qualifiées. Et du coup, les rôles ont profondément changé, surtout à partir des années 60. Donc il y a une périodisation, si vous voulez, où on voit un contraste entre les années 60, entre les années 40, 50, 60, et puis la période ultérieure. Donc voilà, si vous voulez, un tableau de ces changements dans la France, un demi-siècle d'observations statistiques sur les rôles masculins et féminins, l'articulation du travail professionnel et de la sphère familiale. Alors maintenant, je voudrais aborder, sur une période un peu plus courte, mais une autre facette qui est celle des transformations dans le travail professionnel et la façon dont le travail professionnel est distribué dans l'ensemble de la société, avec l'idée dominante qui est que le travail professionnel est devenu plus rare. Le nombre de chômeurs a augmenté, le marché de l'emploi est plus exigeant, le niveau du salaire minimum en France, par comparaison avec d'autres pays, est relativement élevé, et donc le taux d'activité d'ensemble, le taux d'emploi d'ensemble est relativement faible, les gens commencent à travailler assez tard, il y a pas mal de chômeurs, pas mal de personnes qui restent en marge du marché de l'emploi, la retraite intervient relativement tôt, et les exigences dans l'emploi, les exigences sont fortes, elles sont plus fortes aujourd'hui qu'elles n'étaient auparavant. Et je voudrais montrer comment ces exigences se manifestent d'une manière différenciée dans l'espace social, et que les catégories ouvrières et les emplois peu qualifiés, ce qu'on appelle en France les employés, les catégories d'emplois de bureau, les secrétaires, les comptables, ou les emplois de commerce, ou les personnels de service, les femmes de ménage, etc. Tous ces emplois peu qualifiés ont connu une évolution qui n'est pas la même que celle des emplois impliquant des diplômes élevés, et on a un contraste entre la situation des catégories les plus qualifiées et celle des moins qualifiées. Alors voilà donc un phénomène que je voudrais caractériser et qui est, alors c'est pas très très lisible le titre, je vais vous le commenter. Prenons surtout le graphique qui est ici à gauche. On observe l'évolution depuis 1966
jusqu'à 1998, donc sur une période d'à peu près un tiers de siècle, toujours grâce aux enquêtes sur les emplois du temps. Et ici, la variable qu'on observe en ordonnée, verticalement, c'est le nombre d'heures de loisirs total, loisirs passifs, loisirs actifs, par semaine. Et on observe d'une part l'évolution chez les salariés peu qualifiés, employés et ouvriers, et d'autre part l'évolution chez les cadres et ce qu'on appelle les professions intermédiaires. Donc les cadres, ce sont les managers, les dirigeants, les professeurs, les professions intermédiaires, il y a les infirmiers, les infirmières, les contremaîtres, les assistantes sociales, les techniciens, techniciennes, etc. En 1966, les employés et ouvriers, alors, toute l'observation ici concerne les personnes qui ont un emploi à temps plein. On laisse de côté les chômeurs, on laisse de côté les gens qui travaillent à temps partiel, on se focalise uniquement sur les personnes qui travaillent à temps plein. Et on observe donc qu'en 1966, les employés et ouvriers bénéficiaient chaque semaine d'environ 18 heures de loisirs. Et les cadres et professions intermédiaires, eux, bénéficiaient d'environ 21 heures de loisirs. Donc ça faisait près de 3 heures de plus de loisirs par semaine pour les catégories salariales les plus qualifiées et les plus favorisées. En 1998, un peu plus de 30 ans après, on observe l'inverse. C'est-à-dire que les employés et ouvriers ont à peu près 26 ou 27 heures de loisirs par semaine, alors que les cadres et professions intermédiaires, les salariés qui ont des diplômes et des salaires assez élevés, eux ont seulement 24 heures à peu près de loisirs par semaine. C'est-à-dire que on est passé certes à la société du loisir en ce sens que dans l'ensemble il y a eu une augmentation, le nombre d'heures de loisirs par semaine s'est accru, mais on a eu ce que le sociologue et économiste anglais Jonathan Gershuny appelle une inversion du gradient du temps de loisir selon le milieu social. Les emplois les plus qualifiés, autrefois, correspondaient à des milieux sociaux qui participaient de ce qu'on appelle, de ce que Veblen notamment appelait la classe de loisirs. C'était des gens qui avaient le temps de prendre des vacances, de sortir, qui avaient des moyens qui étaient consacrés à des activités de consommation, et la part du travail était moins importante que pour les catégories populaires. Et aujourd'hui, on observe la relation inverse, c'est-à-dire que le travail occupe plus de place dans l'emploi du temps des cadres et des professions intermédiaires, et inversement, c'est le loisir qui occupe le plus de place dans les emplois du temps des employés et des ouvriers, même lorsqu'ils sont ici à temps plein. C'est-à-dire qu'ici, on n'analyse pas l'effet du chômage. Il y a beaucoup aujourd'hui de salariés, enfin de personnes qui ne sont pas salariées mais qui appartiennent à des milieux populaires, employés et ouvriers, et qui sont obligés d'avoir beaucoup de loisirs parce qu'ils sont au chômage, etc. Ici, on n'est pas dans ce cas, on est dans le cas de personnes qui ont un emploi à temps plein, et donc le temps de loisirs est plus important dans les catégories peu diplômées que dans les catégories diplômées. Alors le phénomène est particulièrement s'exprime particulièrement dans un loisir qui est le principal temps la principale utilisation du temps de loisir, qui est la télévision. Et le temps passé devant la télévision était le même en moyenne chez les cadres et chez les ouvriers en 1966, c'est-à-dire que c'était un peu plus de 5 heures, 5 heures et demie par semaine. C'était à l'époque un peu moins d'une heure donc par jour. La télévision n'était pas encore présente dans tous les foyers. Et là, il y avait un effet de richesse, c'est-à-dire que les cadres étaient plus souvent équipés en téléviseurs que les milieux populaires. Et puis, progressivement, il y a eu une augmentation à un rythme assez faible chez les cadres et catégories intermédiaires, et une augmentation beaucoup plus forte dans les catégories populaires, employés et ouvriers, qui passent environ 13 ou 14 heures, c'est-à-dire 2 heures par semaine, par jour, en moyenne, devant la télévision, tandis que chez les cadres et professions intermédiaires, c'est de l'ordre de 1h15 à peu près. Donc il y a une assez grosse différence. Et en gros, la société
française aujourd'hui est une société dans laquelle une partie du progrès économique, de l'augmentation de la richesse, a été consacrée par les catégories populaires à un loisir qui est la télévision. C'est ça, un des grands changements sociaux intervenus dans la France depuis une trentaine d'années, c'est le fait que l'augmentation de la richesse a profité à la télévision. Alors ce changement, comment l'interpréter? Je dirais qu'il faut, clair qu'il faut considérer que la notion de travail n'est pas aussi homogène, renvoie à une réalité qui est plus diversifiée que ce qu'on pourrait penser a priori. En fait, travailler pour un cadre, ou pour un enseignant, ou pour un chercheur, ou pour un artiste, ce n'est pas la même chose que travailler pour un ouvrier, ou pour une caissière de supermarché, ou pour une femme de ménage. Le travail, dans certains types d'emplois, implique une certaine autonomie, une certaine expression de soi, une certaine liberté aussi dans la façon de s'organiser, dans la façon de se projeter dans l'avenir, dans la façon de monter des projets dans lesquels on va s'exprimer. Alors que dans les catégories populaires, les aspects de contrainte sont beaucoup plus présents. Les aspects de contrainte, éventuellement sous la forme du pointage, par exemple, dont la proportion reste à peu près la même, c'est environ 15 à 20%, aussi bien il y a 20 ans qu'aujourd'hui, des ouvriers et des employés qui pointent, qui doivent enregistrer l'heure à laquelle ils commencent à travailler et l'heure à laquelle ils finissent. Donc cette proportion n'a pas tellement changé. Mais le fait de travailler selon des séquences répétitives, par exemple, il y a eu une légère augmentation, dans le cas de la France, de la proportion des salariés d'exécution qui sont soumis à des cadences répétitives. Et dans l'ensemble, donc, on a un contraste assez fort entre du travail intéressant et du travail moins intéressant. Et l'élévation du niveau de richesse d'ensemble du pays se traduit par le fait que pour les catégories qui peuvent bénéficier d'un niveau de vie accru et qui sont exposées à des emplois très peu intéressants, eh bien ces catégories vont réclamer une diminution de la durée du travail. Et c'est en ce sens que les lois sur les 35 heures qui ont été adoptées en France dans fin des années 90 sous les gouvernements socialistes donc, ont été bien reçues dans l'ensemble par les catégories populaires. En fait, cette mesure s'est inégalement appliquée, c'est-à-dire qu'elle a surtout touché les salariés des grandes entreprises et assez peu ceux des petites entreprises. Et elle a profité aussi, et peut-être finalement davantage, aux cadres, justement, qui ont réussi à accéder à des week-ends de plus longs, ce qu'on appelle la RTT, la récupération du temps de travail, qui se fait en gagnant, par exemple, un vendredi qui va pouvoir être ajouté au samedi et au dimanche et faire que on va pouvoir partir en vacances pour des périodes courtes de vacances. Donc, cette mesure de la loi sur les 35 heures a eu des effets différenciés dans l'espace social. Elle a apporté un nouveau type de loisir avec plus de déplacements vers des lieux de vacances pour les milieux supérieurs qui ont les moyens d'accéder, les moyens économiques d'accéder à ce type de loisir. Elle a apporté plus de temps de télévision pour les milieux populaires des grandes entreprises. Elle n'a pas apporté beaucoup de changements parce que la loi s'est peu appliquée dans les petites entreprises où le niveau de moyen de la semaine de travail est resté plutôt autour de 39 ou 40 heures et non pas 35. Mais dans tous les cas, il y a eu une certaine augmentation du pouvoir d'achat effectif, et cette augmentation du pouvoir d'achat se traduit par un arbitrage en faveur du temps libre plutôt qu'en faveur du temps de travail lorsqu'il s'agit de catégories dont le travail n'est pas très intéressant. Alors, on peut donner une série d'indicateurs sur cette dimension plus ou moins intéressante et plus ou moins contraignante du travail. Les enquêtes sur les emplois du temps fournissent une partie de où on a le carnet d'activité hein, que j'ai montré tout à l'heure. Il y a aussi d'autres questions plus habituelles
où on demande aux gens de répondre à des questions telles que est-ce que vous avez par exemple des horaires variables, et est-ce que vous apportez du travail à domicile, est-ce qu'il vous arrive de faire des heures supplémentaires non rémunérées le soir, ce qu'on appelle ici prolonger ses horaires, est-ce que vous consacrez du temps, alors ça c'est mesuré dans les carnets d'activité de l'enquête, la part du temps de réunion. Et on voit que selon qu'on est ouvrier ou cadre, on n'a pas le même type d'activité dans le travail même. Ici, on a la courbe pour les ouvriers. Les ouvriers ici, les cadres ici. Par exemple, le fait de prolonger ses horaires sans être rémunéré sous la forme d'heures supplémentaires, les ouvriers ne le font jamais. Un ouvrier, il est disposé à travailler pour son patron si son patron le paye. Si son patron ne le paye pas, il choisit de ne plus travailler pour son patron. En revanche, un cadre, lui, il a au contraire plutôt l'obligation éventuellement de rester le soir assez tard pour finir un dossier, même s'il n'est pas payé à l'heure pour ça. Donc le type de contrat de travail n'est pas le même. Le contrat du cadre est un contrat dans la durée avec l'employeur, alors que le contrat de l'ouvrier est plus un contrat qui implique la fourniture au jour le jour d'un certain quantum de travail. Ici, on a la part du travail emporté à domicile. Qui fait du travail à domicile? Chez les ouvriers, c'est très très rare, c'est environ 2%. Chez les cadres, c'est aujourd'hui environ 15% des cadres qui emportent du travail à domicile. Donc il y a une espèce de flexibilité avec un débordement possible du travail sur la sphère domestique, du travail professionnel sur la sphère domestique, qui est plus fréquent chez les salariés de haut niveau de qualification. Et le mouvement, ici je n'ai pas le graphique comparant ces indicateurs sur plusieurs dates, mais il y a les observations ont été faites, la part des salariés qui emportent du travail à faire chez eux est de plus en plus importante. Il y a une espèce de débordement de la vie professionnelle sur la sphère domestique qui est de plus en plus fréquent. Donc apporter du travail à domicile, Le taux est beaucoup plus élevé chez les cadres. Vous voyez, ce sont les triangles ici qui arrivent jusqu'à 70% environ pour les cadres, alors que c'est au niveau de 20% chez les ouvriers. La variabilité des horaires, bon, elle est plus grande chez les salariés de niveau élevé, c'est-à-dire que la dimension de flexibilité des horaires, elle s'accroît chez les salariés peu qualifiés, mais elle a toujours été élevée et elle est de plus en plus élevée chez les salariés hautement qualifiés. Alors, des indicateurs similaires, on en a d'autres encore, du même genre. Le fait de pouvoir s'absenter librement, c'est la courbe ici avec les petits ronds. Il y a environ 20% des ouvriers qui peuvent s'absenter, un peu moins. Et chez les cadres, ça atteint environ 50%. Donc la liberté par rapport au lieu le fait de pouvoir quitter le lieu de travail, la liberté évidemment est plus grande chez les salariés hautement qualifiés. La liberté dans le choix des horaires est aussi beaucoup plus forte chez les cadres là-haut que chez les ouvriers. Et le fait de se plaindre, de manquer de temps, notamment au travail, c'est-à-dire cette courbe avec les croix ici, c'est 20% chez les ouvriers qui se plaignent de manquer de temps dans leur travail, alors que ça atteint 50% chez les cadres. Donc les cadres ont l'obligation, en quelque sorte, d'être autonomes. C'est à eux d'organiser leurs rendez-vous, d'organiser des réunions, de gérer leur agenda, et ils se plaignent qu'ils ne s'en sortent pas. C'est une charge importante pour eux qu'implique cette autonomie. Alors, la tendance générale dans la société française, comme je crois dans la société basque ou espagnole, c'est que la part, c'est pas très très lisible, enfin, la part des salariés hautement qualifiés s'accroît. Ici, on compare 1962 et 1999. Les ouvriers étaient environ 40% en 1962, ils sont plus que 25% en 1999. Inversement, les cadres et professions intellectuelles supérieures étaient 5% en 1962 et ils sont 13 ou 14% en 1999.
Donc, ces transformations structurelles de la population active vont dans le sens d'un développement des emplois dans lesquels il y a une assez grande autonomie professionnelle et il appartient aux salariés d'aboutir à des résultats. On le juge sur des résultats, sur sa capacité à mener à bien des projets, plutôt que sur le fait qu'il soit présent pour faire exactement ce que l'employeur lui dit de faire, par exemple de fabriquer des pièces dans un temps limité. On a donc un changement dans les modes d'organisation du travail qui implique que c'est l'autodiscipline du salarié qui de plus en plus prévaut comme forme d'organisation, avec comme sanction non pas des réductions sur le taux de bonus pour le salaire aux pièces, par exemple, mais avec la menace du licenciement. C'est l'augmentation du chômage pendant la période qui a été le grand aiguillon pour la discipline au travail, mais c'est une discipline qui est fondée sur l'évaluation des résultats plutôt que sur la présence au travail pendant une période mesurée et sur la mesure des cadences pendant le travail. Donc on a un changement dans les formes d'organisation et ce changement se traduit par le fait que les catégories populaires ont été massivement soumises à un taux de chômage accru, alors que les catégories plus diplômées, elles, s'engagent de plus en plus dans le travail, font des travaux intéressants, mais aussi des travaux stressants, et au fil du temps, quand on compare les enquêtes successives, la proportion des gens qui se déclarent stressés au travail, fatigués par les cadences, préoccupés par des contraintes d'organisation de l'agenda, etc., cette part s'accroît régulièrement. Donc il y a la perception d'une situation, non pas d'intensification des cadences, parce que la part du travail aux cadences diminue plutôt, mais la perception de difficultés à organiser le travail, les réunions, une activité de coordination qui est de plus en plus complexe et sur lesquelles la charge mentale pour les salariés est de plus en plus importante. Voilà donc quelques éléments que je voulais vous présenter sur ces changements dans le travail en France. J'aurai éventuellement quelques éléments à commenter sur les comparaisons internationales, mais c'est assez peu circonstancié. Preguntas. Si queréis, ahora podríamos abrir un turno de preguntas, si es que tenéis alguna cuestión. Bueno, quería preguntar si cree el ponente que si hubiera seguido adelante la ley de las 35 horas, si esto hubiera modificado algo las tendencias que han aparecido tanto en la participación de los varones en el trabajo doméstico como en la estructura, que eso lo veo más difícil, pero ¿qué cambios se podían haber dado y en qué medida no hay un retroceso en toda esa situación? Oui, alors c'est une très bonne question, mais je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse parce que il n'y a pas eu d'enquête sur les emplois du temps depuis que la loi sur les 35 heures a été appliquée en France. On sait en gros que il y a eu un effet sur la durée du travail professionnel qui a diminué et pour les hommes et pour les femmes. Notamment dans les emplois assez peu qualifiés des grandes entreprises. Je ne crois pas qu'il y ait eu de grosse incidence sur la division du travail entre les hommes et les femmes, mais nous n'avons pas d'observation récente, par exemple, comme c'est le cas en 2003 pour le Pays Basque, nous n'avons pas d'enquête très récente pour caractériser la situation en France. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un contraste qui s'est accru entre les catégories populaires et les catégories plus diplômées et plus aisées économiquement, avec une symétrie des rôles qui est assez grande dans les catégories aisées et
un retour peut-être en partie à un modèle traditionnel avec la femme au foyer dans les catégories populaires, au moins dans une certaine partie des catégories populaires, sachant que la France se caractérise par la présence d'une immigration récente, souvent d'origine maghrébine, avec des traditions culturelles marquées par un enfermement de la femme dans la sphère domestique s'exprime dans le style de vie qui s'observe dans les quartiers populaires en France. Et je pense que là, il y a un contraste assez fort entre catégories les plus diplômées et puis les catégories populaires. C'est plutôt plus marqué aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Bueno, haré la pregunta desde aquí. Es que en la primera parte de la intervención, bueno, su intervención ha sido para mí muy interesante. Yo me preguntaba si cuál era la influencia, ¿no?, que tenía el periodo analizado un poco en las conclusiones a las que se llegaba. Y un poco esta intervención final, digamos que parece como que me reafirma en esa primera impresión, ¿no? Es decir, se podría decir que la primera etapa, esta que conducía al aumento del ocio, ¿no?, del tiempo de ocio, del tiempo de, digamos que se puede libremente dedicar a lo que se quiera, si se podría decir que coincide con el paso de una sociedad más preindustrial, a una sociedad industrial en la cual, como acaba de exponer, pues el trabajo de los obreros sobre todo y de los empleados pero en menor medida está muy ceñido a un horario concreto de trabajo, ¿no?, detrás del cual aparentemente queda el tiempo libre. Mientras que en una sociedad preindustrial y en realidad en la nueva sociedad que nos muestra aquí, lo que hay es una mayor posibilidad por parte de los empleados o de los cuadros superiores, de los directivos, de organizar su propio trabajo, pero que curiosamente podría coincidir con la propia capacidad de organización que tenían los agricultores o los artesanos en una fase preindustrial. Y a mí me da la impresión de que esa diferenciación lo que hace es que la valoración también del tiempo de trabajo por parte de unos y otros es bastante distinta, porque los que tengan una jornada regular, pues no, es que yo entro a las 8 y salgo a las 3 de la tarde y ese es mi tiempo de trabajo. Es muy preciso, está muy claro para ellos y no se presta a discusión si otras actividades pues pueden ser o no de trabajo. Para un profesional o un cuadro superior, hombre, tiene también una cierta jornada de trabajo, pero luego puede tener una reunión o queda con unos compañeros y discute. Entonces, puede haber actividades que están oscilando entre el trabajo y, por ejemplo, las relaciones, ¿no?, el tiempo de relación, y quizá tampoco es tan exacta la medición del tiempo obligado, el tiempo de trabajo en este tipo de profesionales frente a los obreros industriales, por así decir, ¿no? Entonces, quizá en la medida que nosotros hemos cogido un periodo mucho más reciente, ¿no?, porque el Instituto empezó mucho después que el INSEE, evidentemente, a trabajar en este tema, quizá estemos cogiendo esta última parte de... Es decir, quizá cuando nosotros decimos que no aumenta el tiempo de ocio es porque nos hemos enfrentado a este último periodo que usted analiza y no tenemos la parte inicial del periodo en el cual efectivamente habría una disminución del tiempo de trabajo y un aumento del ocio. No sé, me preguntaba. Gracias. Oui. Je crois que vous avez tout à fait raison de souligner qu'il y a des ressemblances entre la situation pré-industrielle et la situation post-industrielle. Et je crois en particulier que la proportion des gens qui ne mesurent pas très précisément la quantité de travail qu'ils fournissent, cette proportion était importante au temps où c'était par exemple l'agriculture qui était la forme d'activité dominante. Et cette proportion
peut être importante aussi aujourd'hui dans des professions où la frontière entre le loisir et le travail n'est pas toujours très marquée. Moi, je suis professeur, par exemple. Si j'emporte des livres à lire en week-end ou en vacances, ça peut être des livres d'histoire ou des livres de sociologie. Et en lisant ce livre pour le plaisir, je peux avoir des idées qui me viennent et que je vais ensuite traduire dans mon travail. Il y a certaines activités qui sont clairement du travail. Si je fais cours devant les étudiants, ça c'est du travail contractuellement défini. En revanche, il y a une part de mon temps que je pourrais décrire comme du temps gris, qui n'est ni travail ni loisir, qui est susceptible de évoluer un peu plus vers l'un ou vers l'autre, mais où la frontière n'est pas très tranchée entre le travail et le loisir. Et je crois que la part des professions dans lesquelles il existe de tels temps gris, cette part tend plutôt à s'accroître. Ce n'est pas seulement dans les milieux, dans les professions considérées comme créatives, comme les chercheurs ou les artistes, ou les comédiens, les musiciens, les universitaires, etc. C'est aussi le cas dans certaines professions, par exemple les chauffeurs-livreurs, ils conduisent le camion, pendant que le chargement s'effectue, ils vont aller au bistrot, attendre que le chargement soit terminé, etc. Donc il y a aussi d'autres catégories de professions que les professions intellectuelles ou culturelles, si vous voulez, qui ont ce type de temps gris, pas nettement inscrit dans le travail ou dans le loisir. Mais dans l'ensemble, on évolue vers une société de l'information, hein, vers une société où il y a de plus en plus de personnes qui vivent en produisant des émissions de télévision, en produisant de la publicité, en éditant, en diffusant des connaissances, en fabriquant des logiciels, des jeux, etc. Et ces activités, dans l'ensemble, correspondent à des situations dans lesquelles les personnels sont assez libres dans l'organisation de leur temps et ne font pas nécessairement une séparation très forte entre le temps de travail et le temps professionnel, le temps de loisir. Et la part du temps qui est effectué, du travail qui est effectué à domicile, s'accroît. Je peux vous donner ici une comparaison. C'est la courbe qui est à droite sur les années 1986. C'est la courbe la plus maigre, c'est celle-ci. Et 1998, la courbe la plus grasse qui est au-dessus. Et là, c'est verticalement figure la proportion du travail professionnel qui est effectué à domicile pour l'ensemble de la population en emploi. Et on voit que, alors ici, ce sont les heures, hein, depuis 0 heure jusqu'à minuit. Le travail à domicile est plus fréquent, la courbe 98 est plus haute que la courbe 86, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent à domicile. Alors je parlais des professeurs, par exemple, c'est le cas, un professeur qui prépare ses cours ou qui corrige ses copies, il effectue une partie de son travail à domicile. Et éventuellement, les professeurs sont les personnes qui travaillent le plus tard le soir. Chez les professeurs, il y a une courbe à trois modes, à trois bosses, avec un maximum vers 9h ou 10h le soir, quand les gens préparent le cours ou corrigent les copies chez eux. Et donc, ce travail-là est un travail qui, certes, n'est pas la même chose que du loisir. Je pense que beaucoup de professeurs détestent corriger des copies, mais c'est du travail dont il est difficile de mesurer la durée, parce qu'on n'est pas sous le contrôle d'autrui. Donc, le contrôle institutionnalisé sur le temps de travail, dans l'ensemble, diminue. Et alors, en ce sens, effectivement, on ressemble de plus en plus à ce qui se passait à l'ère pré-industrielle, où les gens n'avaient pas de montre et où les paysans travaillaient au soleil et ils pouvaient s'arrêter pour faire une pause et il n'y avait personne derrière pour les empêcher de faire une pause. Donc la durée du travail était très importante, mais le travail était relativement poreux. On avait des phases dans lesquelles on n'était pas très très actif. Et aujourd'hui, on peut trouver des signes de développement de ce type de situation dans des professions
tout ce que certains, comme notamment l'économiste américain Florida, appellent the creative class, la classe créative. Ces professions les plus caractéristiques de la société de l'information sont des professions dans lesquelles la séparation entre loisirs et travail continue d'exister, certes, mais moins marquée que dans la société industrielle proprement dite. Et donc la société post-industrielle, ce n'est pas tellement une société du loisir, c'est plutôt une société où la séparation entre loisir et travail n'a pas disparu, mais prend des formes différentes et dans l'ensemble est moins nette que dans la société industrielle. Sí, como resumen, podríamos decir que vamos al ocio a través del trabajo, en cierta medida. Oui, mais aussi vers le travail, à travers le loisir, parce que de la part de ces professions créatives, le marché de l'emploi est très très concurrentiel, et il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais il y a très peu qui gagnent bien leur vie. C'est un peu une économie de casino. The winner takes all, le gagnant emporte tout le jeu. Le meilleur chanteur va vendre des millions de disques, mais il y aura pour un chanteur qui gagne énormément d'argent, il y aura des centaines de groupes, d'orchestres qui travaillent presque bénévolement. Et donc on a une société dans laquelle le nombre d'actifs qui sont en marge du marché de l'emploi peut-être augmenter, continuer d'augmenter de manière importante, surtout si la force des syndicats continue à décliner, comme c'est le cas par exemple en France depuis une trentaine d'années maintenant. On a une situation dans laquelle on a un marché de l'emploi où le salaire minimum dans certains secteurs n'a pas beaucoup de pertinence et où il y a un petit nombre d'actifs qui ont des revenus très importants, éventuellement expatriés à Monaco, etc., et où il y a une masse de travailleurs marginaux dont les revenus sont, eux, très bas, d'autant plus bas que leur travail est très intéressant et où, en quelque sorte, ils pourraient presque payer pour avoir le droit de travailler parce que c'est un travail qui leur plaît. No, igual meto la pata porque no he estado todo el tiempo, pero sí quería plantear una cuestión, ¿no? Es verdad que, bueno, aunque últimamente se haya garantizado, ha habido una reducción importante del tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. Y eso, al mismo tiempo contrasta con los ritmos de vida actuales, ¿no? Es decir, parece que estamos estresados, parece que cada vez nos falta más tiempo, no nos queda nada, absolutamente nada de tiempo disponible, todo está ocupado, todo es a prisa. Esa sensación social de que nos falta tiempo, de que no llegamos a lo que debemos hacer, de que andamos haciendo todo a prisa, corriendo, contradice, es una paradoja, ¿no? con esa evolución, por lo menos que en cierto momento parece que es una evolución lineal hacia una sociedad de mayor ocio, más tiempo disponible, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo, paradójicamente, entramos en una contradicción constante de que pues todo el mundo corre muchísimo más, de que todo es a una velocidad mucho mayor. Parece que hay un aspecto de querer consumir todo al mismo tiempo y a la vez, ¿no? Y no poder llegar. No poder llegar a satisfacer todas aquellas necesidades que nos vamos creando, ¿no? No sé, como reflexión. Je crois effectivement qu'il y a des mouvements contradictoires. Il y a quand même des indicateurs qui vont dans le sens d'une poursuite, d'une certaine consolidation d'une société des loisirs. Par exemple,
en France, au moins jusqu'en 1998-99, donc la dernière enquête sur les emplois du temps, depuis l'après-guerre, d'après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu en gros l'invention du week-end. C'est-à-dire que, enquête après enquête, le samedi a été conquis comme jour de congé. En 1966, il y avait encore la majorité des salariés qui travaillaient le samedi. Et aujourd'hui, c'est une petite minorité. Certains parlent d'une tendance à une désynchronisation des temps sociaux. Peut-être que vous pourrez interroger Jean-Yves Boulin, qui va être un prochain intervenant de cette école, et qui a beaucoup travaillé sur cette question. C'est vrai qu'il y a des signes de désynchronisation des temps sociaux, en ce sens que, par exemple, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent le dimanche. Mais il y a aussi de moins encore, en tout cas de 86 à 98, de moins en moins de personnes qui travaillent le samedi. Et au total, le week-end continue jusqu'en 1998. Peut-être que depuis, ça s'est inversé, je ne sais pas. Mais jusqu'en 1998, il y a eu un mouvement où on gagne le week-end comme un temps de repos. Alors, pendant la semaine, le stress est plus fort, certainement, mais on a aussi le week-end, éventuellement les congés d'été, ou pour Noël ou pour Pâques, pour prendre des vacances. Donc on a un système d'alternance entre des périodes de forte mobilisation sur la vie professionnelle, qui sont du lundi au vendredi, en gros, et d'autres périodes où on est en disponibilité pour des activités libres en dehors de la vie professionnelle. Et là, on a quand même une situation récente qui se caractérise par le fait que le temps des vacances, que ce soit sous la forme de périodes longues ou de périodes courtes, et surtout de périodes courtes, avec les week-ends ou les week-ends prolongés, incluant le vendredi, ce temps des vacances a continué de s'accroître. Mais c'est vrai que la perception du stress au travail est beaucoup plus importante aujourd'hui, en moyenne, que ce n'était le cas. Et je crois qu'effectivement, le changement principal, c'est dans le sens d'une exigence de mobilisation psychique plus forte de la part des employeurs. Il faut que les travailleurs soient investis dans les projets de l'entreprise, etc. Et ce type d'exigence est beaucoup plus présent qu'autrefois. Mais dans un temps qui, quand même, au total, s'est réduit. ¿Hay alguna pregunta? Yo no sé, quería plantear un poco algo ya al final de de la jornada, un poco hacia qué modelo de relación entre tiempo de trabajo y ocio vamos. Y si eso es compatible con... Tenemos una sociedad de bienestar, ¿no?, en que hemos llegado a unos niveles de, bueno, de materiales, de bienestar, etcétera. Pero este modelo de tiempo de ocio, ¿está de acuerdo con esa sociedad de bienestar que parece que vivimos? ¿Vamos a tener tiempo para disfrutar esta sociedad de bienestar? Porque aquí, un poco, si el modelo al que tendemos es que tenemos que trabajar en temas interesantes para disfrutar más el tiempo de ocio y demás, a mí eso no me convence mucho, en realidad, ¿no? Porque yo veo que es que la actividad profesional está anulando otra serie de áreas que tenemos en nuestra vida. Entonces, que si el modelo es que vamos a tener que trabajar en algo interesante para que estemos más realizados en nuestro tiempo de ocio, yo creo que de alguna forma, no sé, es una deformación de alguna de otras de nuestras áreas, ¿no? O sea, o la invasión de una o anular las demás. Entonces, no sé, ¿cómo ve el modelo hacia el que se tiende? Oui, certains parlent d'un modèle, d'une société en sablier.
Alors, je ne crois pas qu'on soit arrivé à une société en sablier, mais peut-être qu'effectivement on va vers un type de société de cette nature. C'est quoi une société en sablier? C'est une société où, d'un côté, on a des travailleurs très très hautement qualifiés, des experts qui gagnent beaucoup d'argent, et puis d'un autre côté, on a une population très peu qualifiée qui fournit des services pour les experts. Et entre les deux, la taille du sablier, le ventre du sablier est rétréci, c'est-à-dire que les catégories qui autrefois gagnaient leur vie à un niveau moyen seraient en réduction importante au profit de cette polarisation qui se concrétisa par exemple par le fait qu'on a des beaux quartiers où il y a des gens qui ont des emplois, des diplômes, des belles voitures, etc. Et puis on a des petits serviteurs qui ont des très petits salaires, qui n'ont pas de qualification, qui sont souvent des immigrés obligés d'occuper des emplois très peu qualifiés. Je pense que cette tendance, on l'observe en particulier dans les grandes métropoles comme Londres, New York, en Californie, éventuellement à Paris ou à Madrid, etc. Mais on a aussi, je crois quand même, le maintien très significatif des catégories qui sont en position intermédiaire. Simplement, le mode de contrôle du travail a changé. Et je crois que un ouvrage classique et important en sociologie, c'était vers 1970, The Affluent Worker, qui est un livre qui avait été écrit par des sociologues anglais, John Goldthorpe, David Lockwood et Bischoffer. Ces auteurs, et Jennifer Platt aussi, c'était quatre, ces quatre auteurs avaient fait une enquête auprès d'ouvriers de l'industrie automobile à Luton, dans la grande banlieue de Londres, et ils avaient observé un rapport instrumental au travail, c'est-à-dire que ces ouvriers, ils faisaient un travail standard avec des journées 9-to-5-day, enfin, ou des journées de 8 heures, bien prévisibles. Ils ne s'investissaient pas beaucoup dans le contenu de leurs activités professionnelles, mais ils étaient contents, ils étaient membres des syndicats, ils tenaient à ce que leur niveau de salaire soit correct, et l'emploi, pour eux, était le moyen d'accéder à une vie familiale normale, avoir un pavillon, des enfants qui peuvent faire des études, etc. Ce type d'organisation qu'on peut appeler fordiste, du travail et de la famille, aujourd'hui est de plus en plus rare en fait. Et les ouvriers de la grande industrie automobile, aujourd'hui, soit ce sont des techniciens d'un niveau relativement plus élevé que ce n'était le cas dans les années 60, et on se rapproche du modèle de l'ingénieur finalement, soit ce sont des sous-traitants qui vivent dans des conditions de surexploitation, éventuellement dans très petites entreprises où le droit du travail n'est pas très, très bien appliqué. Et donc là, on a une certaine polarisation, peut-être un mouvement vers cette société de sablier. Et donc, je pense que l'évolution vers une société où on aurait une part importante de la population qui travaillerait dans des conditions d'horaire à 40 heures ou 35 heures pour un salaire prévisible et pour un travail pas très intéressant mais apportant un niveau de vie correct, cette proportion a diminué et on vit dans des sociétés plus incertaines dans lesquelles la précarité est plus grande pour une partie importante de la population. Le risque de basculer pour des enfants des classes moyennes, de basculer dans une situation relativement précaire, ce risque est plus important que pour les sociétés précédentes, parce que le rythme des transformations structurelles a changé, c'est-à-dire que dans les années 50 aux années 70 ou 80, on avait eu des créations d'emplois de cadres, d'emplois de techniciens, d'emplois hautement qualifiés, et donc il y avait une espèce d'ascenseur social qui fonctionnait assez bien. Aujourd'hui, l'augmentation de la part des emplois de niveau élevé est ralenti, et donc on a une situation plus concurrentielle et avec une part plus importante de trajectoire sociale descendante,
avec une menace sur l'emploi, y compris dans les milieux sociaux élevés ou intermédiaires. Enfin, je ne veux pas dire que c'est aussi difficile pour ces milieux que pour les milieux populaires, mais le risque de se retrouver en situation précaire est plus important dans les milieux, disons dans le tiers supérieur de la distribution des revenus, que ce n'était le cas il y a 30 ans, par exemple. Donc on a un modèle social qui a changé, où la concurrence sur le marché est plus présente pour la majorité de la population qu'elle n'était, qu'on avait pu penser qu'elle n'était dans les années que décrivaient les auteurs de The Affluent Worker, avec cette situation des ouvriers de l'industrie anglaise, avec un emploi relativement assuré, un salaire relativement assuré et des conditions prévisibles d'existence. ¿Hay alguna otra pregunta o intervención? Yo antes de acabar sí que me gustaría volver otra vez un poco al tema del género, aunque mañana se tratará específicamente, estará un día dedicado en el uso del tiempo en el género. Sí que me gustaría preguntarle, verdaderamente parece que ha habido un acercamiento de las asimetrías entre los géneros, ha habido un acercamiento en el uso del tiempo entre hombres y mujeres. En su opinión, ¿ese acercamiento a qué se ha debido? ¿A que la mujer verdaderamente ha empezado a usar el tiempo más con patrones más masculinos? ¿O porque el hombre está participando también de esos patrones femeninos? Yo creo, vamos, yo soy de la primera opinión, que es la mujer la que está cortando distancias y usando el tiempo con un poco más en la línea que tradicionalmente venía usándolo el hombre. ¿Cuál es su opinión? C'est un sujet assez complexe, hein, et je crois que c'est difficile de donner une réponse très simple en deux mots. Je pense que les sociétés traditionnelles étaient des sociétés dans lesquelles la force physique avait de l'importance et où la division des rôles était assez marquée entre des hommes qui étaient des guerriers ou des travailleurs de force et puis des femmes qui avaient davantage de spécialisation auprès des enfants et dans la préparation des repas et des activités domestiques sédentaires. Et aujourd'hui, évidemment, nous sommes très loin de tout ça. La force physique n'a plus tellement d'importance dans beaucoup d'activités. Et l'école, la formation scolaire, elle, en revanche, a pris beaucoup d'importance. Et les filles, pour des raisons qui ne sont pas si faciles que ça à expliquer, les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. Et je pense que cette différence est en particulier forte dans les milieux populaires. Je pense qu'en particulier dans ce qu'on appelle en France les quartiers défavorisés, quoi, les banlieues les plus difficiles, les garçons vont en prison, les filles non. Et donc il y a une division des rôles qui est forte entre les garçons et les filles. Les filles finalement sont mieux préparées à accéder aux emplois modernes. Et elles ont appris les langues mieux que les garçons. En mathématiques, même si certains disent que les garçons réussissent mieux en mathématiques, dans l'ensemble, les filles réussissent, disons, aussi bien, quoi, en moyenne. Donc, et au total, les femmes sont bien adaptées au type d'emploi qui se développe dans les sociétés modernes. Cette adaptation se manifeste surtout dans les catégories d'emploi tertiaires. Les sociétés modernes sont des sociétés qui se sont tertiarisées et l'emploi, même si le taux de chômage est plus fort en moyenne chez les femmes que chez les hommes, la tertiarisation a été dans l'ensemble favorable à l'emploi féminin, hein, puisque les emplois se sont créés dans le secteur tertiaire où justement la force physique n'avait pas beaucoup d'importance. Et aujourd'hui, les taux de chômage sont les plus élevés à partir des secteurs d'activité industrielle traditionnelle, masculin, les activités masculines qui sont en déclin, comme dans la production automobile, le bâtiment, le
textile, etc. Enfin, le textile était plutôt féminin, mais là, il y a une, surtout une délocalisation, c'est-à-dire que les activités du textile se font beaucoup dans les pays du tiers-monde. Mais dans l'ensemble, les transformations structurelles ont été assez favorables à l'emploi féminin. Et je pense que, comme disait Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Quoi. La situation de moderne des emplois, si on regarde par exemple cette société de l'information, la société du spectacle, la télévision, la part des femmes qui sont des grandes journalistes, etc., est importante. Je pense que si on fait une étude très approfondie de la part des hommes et de la part des femmes dans cette société du spectacle telle qu'elle se donne à voir sur les écrans de télévision ou sur les couvertures des magazines, etc., la part des femmes est très importante. Donc je crois qu'on a réellement une évolution vers une symétrisation des rôles. Mais pour conclure, c'est dans les milieux populaires que ce mouvement bute sur le plus de difficultés, parce que cette symétrisation est liée à l'accès des femmes à un niveau élevé de qualification scolaire et professionnelle. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque si no, quizá pasaríamos ya a despedir la jornada de hoy. Antes bien agradecer al profesor su presencia aquí, que nos consta que, bueno, que ha sido con cierto esfuerzo en sus numerosas tareas. Y bueno, y lo único, congratularnos todos y bueno, de lo que los objetivos que nos habíamos planteado al principio de la mañana. Pues hemos ido trabajándolos a lo largo de toda ella, hemos ido desmenuzando en qué usamos el tiempo, se han aportado numerosos datos aquí, tanto de la Comunidad Autónoma Vasca como a nivel de Francia, hemos visto un poco la evolución de cómo se están cambiando el uso del tiempo y también hemos tratado de ir descifrando el porqué de estos cambios, el porqué... hacen referencia al género, a la organización del trabajo, etcétera. Hemos visto que hay diferencias, o por lo menos diferentes ritmos, entre unos datos y otros, quizá los de la Comunidad Autónoma en relación a los de Francia, que habrá que ir estudiando, son distintos ritmos, pero que en cualquier caso también muestran las especificidades que tenemos cada una de las sociedades en nuestro uso del tiempo. Pues nada más, agradeceros y bueno, y mañana volveremos otra vez ya más centrados en el uso del tiempo a raíz del género. Muchas gracias. Merci a todos los organizadores. J'étais très, très content de pouvoir venir parmi vous et les échanges m'ont beaucoup intéressé. L'accueil gastronomique aussi a été très, très, très positif pour moi grâce à José María Aguirre, justement.